Salut la famille, c'est Talibotti. J'espère que tu vas bien, que tu as passé des bonnes fêtes, que tu as fait tes résolutions et que tu les tiendras. Chez moi, ça va, par la grâce de Dieu. Si tu es nouvelle abonnée, eh ben, tu es la bienvenue chez nous, la bienvenue chez toi, la bienvenue dans la famille. Si tu me suis déjà, je te dis un merci de partager mes vidéos. Ma chérie, on va parler là, 2021 là. N'hésite pas de partager la vidéo. Franchement, je te dis toujours que si toi, le thème d'une vidéo ne te plaît pas, ça peut plaire à quelqu'un. Et puis, on est une famille. Tu sais bien que ta seule manière de me soutenir, c'est de partager ma vidéo, c'est de regarder la pub. C'est la seule manière que tu peux me soutenir. Donc, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Même si ça ne te plaît pas, like quand même. Tu peux mettre le pouce en bas, hein, ça ne me dérange pas. Du moment où ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Comme tu sais déjà, dans la famille, c'est toujours avec le respect. Et c'est pour ça que je vous adore. Je bénis l'Éternel pour cette famille YouTube qu'on m'a donnée. En tout cas, vous êtes tout simplement des amours. Vous êtes super, super, super. Je vous aime très, très, très fort. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette huile que vous avez vue dans mes pas mal de mélanges que je fais. Et je vous avais posé la question si ça vous intéressait. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup m'ont dit que vous étiez partante pour que je vous fasse une vidéo sur cette huile-là. Cette huile-là, elle s'appelle Be White. C'est une huile corporelle qui est extra éclaircissante d'après le laboratoire. Les laboratoires qui l'a fait, c'est le même laboratoire que Coco. J'ai oublié. Coco Pulp, voilà. Que Coco Pulp, que pas mal de lait. C'est Dream Cosmetics, si je ne me trompe pas. Mais celui-là, il est fabriqué en Inde. C'est à base de piment doux et de carottes. Comme je t'avais dit dans une précédente vidéo, il y a plusieurs gammes, plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui à base de piment doux et carottes parce que c'était celui qui me parlait le plus. Et la personne qui m'avait présenté cette gamme-là l'avait déjà utilisée. Donc je me suis dit, je veux le tester et puis je vais en parler à mes amours. Alors donc, comme je te disais, cette huile-là, elle est super hydratante. Mais vraiment, 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 elle nourrit super bien la peau. En tout cas, pour ça, on ne va pas le juger. Vraiment, sur la partie rajeunissante, sur la partie adoucissante, apaisante, hydratante, cette huile, elle fait son job. En ce qui concerne qu'il éclaircit plus sur ma peau, comme je vous dis toujours, mais toujours, toujours, si tu ne me connais pas, aujourd'hui, je vais te dire que, en fait, chaque personne a une peau différente. Ta peau n'est pas la mienne, ma peau n'est pas la tienne, la peau de ton cousin, de ta cousine n'est pas la tienne. Donc, les produits réagissent différemment pour chaque peau. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Ça peut être ton âge, ça peut être ton climat tout simplement, ou ça peut être aussi ta routine. Chaque personne doit adapter sa routine en fonction de son âge. Ça, c'est super important aussi. Quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 25 ans, ne peut pas avoir la même routine qu'une personne qui a 45 ans ou qui a la quarantaine, tout simplement. Si tu as la quarantaine, tu ne peux pas garder la même routine que tu avais quand tu avais 25 ans, 28 ans ou 20 ans, quoi. C'est pas possible. Parce qu'il faut que tu saches que ta peau, ben, à un certain âge, elle aura besoin de collagène parce qu'elle ne va plus t'en fournir comme elle t'en fournissait. À un certain âge, tu auras besoin de plus de vitamine C, tu auras besoin de faire quelques cures. Tu vois, en fait, il faut que tu t'adaptes en fonction de ton âge. Donc,
Comme je t'ai dit, le skincare, en fait, c'est toute une science, c'est tout un rituel, en fait. Et quand je te parle d'écouter ta peau, mais c'est vraiment au sens propre d'écouter ta peau. Parce que tu vois, la nature, elle est bien faite. Dieu, il fait pas les choses au hasard. Quand il fait un truc, le truc, il est toujours parfait. C'est la perfection, tu vois. Donc la peau, elle t'envoie des signaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand ça va pas, elle te dit ça va pas. Quand ça va, elle te dit ça va. Toi-même, tu te regardes au miroir, tu dis yes. Là, c'est bon, tu vois. Donc, comme je te disais, toi, tu vas avoir un sérum. Quand tu vas le mettre direct, là, tu as pris des teintes. Direct, ta peau, elle est resplendissante. Eh bien, moi, quand je vais venir la prendre, ça sera pas du tout ça. Ça sera pas du tout ça. Ou soit tu veux gagner quoi? Une demi-teinte? Ou ben, ça va me donner des boutons? Ou... En fait, on est toutes différentes. Cette huile-là, comme je t'ai dit, le Be White, c'est une gamme qui est indienne. En ce qui concerne son huile, pour éclaircissement plus chez moi, je te dis non. C'est beaucoup mieux. Non. C'est beaucoup plus pour les personnes qui ont le teint caramel, qui veulent avoir un teint caramel, mais pas du tout le teint métis. Ça va pas te donner beaucoup de teintes. À la rigueur, deux teintes, c'est une très bonne routine. Sinon, c'est une teinte. Mais il clarifie, mais vraiment, il donne du glow. Il clarifie et il donne beaucoup de glow. D'accord? Si toi, tu es de teint métisse et que tu veux apporter du glow à ta peau, cette huile, elle est pas mal. Mais si tu es de teint caramel et que tu veux être teint métisse, ou bien tu es de teint ébène et que tu as envie. Non, ça va pas te donner beaucoup de teintes. Comme je t'ai dit, une teinte sinon, maxi, mais vrai, un maxi, maxi. On va dire deux selon ta routine, selon les produits que tu vas combiner, tout ça, tout ça. Donc si tu es de teint caramel ou que tu as envie d'avoir un teint caramel, tu peux faire un mélange avec. Et ça va te donner ben, un teint caramel, quoi. Et ton caramel, il va donner envie parce que il y aura du glow. Parce que ça va être. Tu auras une peau souple. Tu auras. Mais vraiment, moi, j'aime bien le résultat. Après, chacun a toujours ses objectifs, tu vois. Moi, j'aime bien le résultat de cette huile sur la peau en hiver. J'aime beaucoup. Parce que, ben, comme tu sais, l'hiver, la peau, ça sèche. Donc c'est bien d'hydrater, c'est bien de nourrir. Moi, j'aime bien le résultat sur ma peau, mais pas dans le but de gagner des teintes. C'est pas une huile, genre tu vas la mettre et puis en 2 semaines, te voilà, qui est non. Une teinte, c'est bon pour cette huile. Si tu veux juste une teinte, eh ben ça sera bien. Si tu en veux plus, cette huile-là, elle va pas, elle n'est pas au point de la la la, tu vois? Pas du tout. Elle n'est pas au point de la lala qui donne plusieurs teintes. Celle-là, une teinte, c'est bon. Après, c'est une huile que tu peux mélanger aussi. Tu peux la mettre en mélange dans un gommage, en mélange dans un. Tu peux la mettre en mélange dans un gommage. Tu peux la mettre en mélange dans un lait. Tu peux la mettre aussi directement comme ça. C'est une huile, comme je t'ai dit, franchement, si tu veux l'acheter pour ton glow ou pour un teint caramel, c'est parfait. C'est parfait. Si tu veux un mélange avec cette huile pour teint caramel, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si c'est juste pour gagner une teinte, voire une teinte et demie, deux teintes, c'est avec une bonne routine. Je préfère te dire la vérité. Une teinte, si tu veux gagner une teinte, cette huile, elle est bien. Mais si tu veux, genre, devenir teint métisse, tout ça, non, cette huile, elle est. Non. Après, elle peut être bien, tiens. Elle peut être très bien dans tout ce qui est mélange de savon. Si tu as un mélange qui est trop dosé, tu peux mettre cette huile là-dedans. Comme elle est très, très, très nourrissante, eh ben, elle va venir adoucir. Elle ne va pas sous-doser ta. Ton savon, elle va pas baisser ton savon en efficacité, mais
Elle va être là en fait pour adoucir ton savon. C'est-à-dire, quand ton savon va vouloir peut-être être agressif, et eh bien l'huile va venir. Tu vas toujours éclaircir parce que ton savon il est dosé. C'est juste que cette huile-là, non seulement elle va t'éclaircir d'une teinte, elle va aussi aider, mais elle va venir en fait, eh bien rendre ta peau beaucoup plus douce, rendre ton savon moins agressif, tout simplement, tu vois. Parce que des fois, quand on dose trop le savon, si derrière tu hydrates pas, derrière tu nourris pas ta peau, c'est très compliqué. Et c'est là où on a des vergetures, c'est là où on a des trucs bizarres qui arrivent sur notre peau. Comme je vous dis, mes chéris, je vais encore te répéter, il faut que tu écoutes ta peau. Pense à moi, et quand tu penseras à moi, tu entendras cette phrase, écoute ta peau. Non, je rigole. Sur ce, je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'aime très fort. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Bisous, bisous.